Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Produit terminé, ça y est. Là, j'en avais quelques-uns, une petite dizaine à peu près à vous présenter aujourd'hui. Donc, je le ferai en deux parties parce que sinon la vidéo va littéralement durer une éternité. Donc, je vais la faire en deux parties. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés. Mais ce sont vos avis que je vais présenter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre cette vidéo. Alors, on va commencer sans plus attendre. Alors, il est cracra de chez cracra, ce produit, mon Dieu. C'est un produit de la marque Kérastase. Alors, c'est un masque chromatique multiprotecteur pour les cheveux colorés ou méchés. J'ai les cheveux méchés, donc pour le coup, j'étais très très contente de recevoir ce produit reçu dans la Blissime, il me semble. Donc, ce produit, j'étais très contente parce que déjà, c'est de la marque Kérastase et j'aime beaucoup, beaucoup cette marque. Alors, déjà, le produit a vraiment, vous savez, l'odeur des produits que vous pouvez retrouver typiquement chez le coiffeur, voilà, ça a vraiment une odeur de produit capillaire de professionnel, quoi. J'adore les odeurs de ces produits-là. Après, moi, le souci que j'ai eu, c'est qu'avec ce produit, les 2-3 premières utilisations, il n'y avait pas de souci. Par contre, après, une fois que j'ouvrais le produit, j'avais plus du tout la consistance gel, j'avais une consistance aqueuse, mais aqueuse. Alors, pour attraper ça sous la douche, je ne vous parle pas de l'enfer que c'était d'attraper le produit parce qu'on était littéralement sur quelque chose de liquide, archi-liquide. Après, en termes d'effet, je ne peux pas vraiment vous dire puisqu'en fait, le côté liquide du produit me donnait pas l'impression qu'il y avait plus d'effet que ça sur les cheveux. Donc, les 2-3 premières utilisations, oui, je dirais qu'il y avait un côté un peu protecteur au niveau de la couleur. Ça ravivait un petit peu le blond que je peux avoir au niveau des mèches. Mais le souci, c'est que le produit s'est détérioré à une vitesse, mais lumière. C'est-à-dire que je ne sais même pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est avec l'humidité, la chaleur de la douche ou voilà, je sais pas. Mes masques, je les laisse toujours dans la douche. Je veux dire, je les range pas dans mes placards et je les ressors au moment de la douche. Au contraire, je laisse mes produits en fait dans la douche. Et là, au bout de 2-3 utilisations, le produit était totalement liquide, quoi. C'était vraiment de l'eau. Alors, j'étais là en train de verser le contenu dans ma main parce qu'il n'y avait plus aucune texture, quoi. C'était de la flotte, entièrement de la flotte. Donc, pourquoi, je sais pas. Dommage, parce que je pense que ça aurait pu être un très très bon produit pour le coup. Mais là, j'avais plus d'eau que de produits. Donc, très étrange. Et dommage, parce que pour une marque comme ça, que le produit se détériore autant dans une douche, pas top. Mais bon, dommage. Vos avis à vous sur ce produit? Donc, globalement, les deux personnes qui m'ont répondu, vous avez été satisfaites de ce produit. Donc, Chiquette et Hawaii Strass, vous avez été ravis. Ce produit est une pépite, il répare bien les cheveux, il démêle bien, laisse les cheveux lisses et l'odeur reste. Alors, c'est vrai que par contre, il y a vraiment l'odeur qui reste au niveau des cheveux. Et Hawaii Strass me dit génial. Voilà. Donc, globalement, pour vous, ça a été un bon produit. N'hésitez pas à me dire si effectivement vous avez eu ce rendu un peu bizarre, là, un peu liquide, pas agréable, pas ouf, ou si c'était vraiment que mon produit à moi qui effectivement avait un rendu un peu liquide, bizarre, quoi. Voilà. Mais globalement, vous avez été satisfaite de ce produit-là. Deuxième produit, toujours dans les soins capillaires, on est toujours sur un masque pour les cheveux. Donc c'est un masque de la marque Biofitum que l'on avait reçu dans une prescription lab, il me semble. Et c'est le masque soin tout type de cheveux. Alors ce produit, je l'ai trouvé classique, archi classique. En tout cas pour ma part, hein. je dis ça pour moi, essentiellement pour moi. J'ai pas trouvé ce produit non plus incroyable. Il laissait les cheveux doux, donc il y avait un côté nutrition quand même. Mais c'est pas non plus un masque waouh, 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 qui m'a fait des effets de dingue au niveau des cheveux. C'est un masque qui fonctionne, c'est un masque classique qui fait son job de masque pour les cheveux. Mais sans plus pour ma part. Voilà, il m'a pas non plus transcendé. Voilà, truc très basique, très classique. Vous avez été deux, pareil, à tester ce produit, donc Elodinette et Sarine. Là, on est sur deux avis totalement différents. Pour Elodinette, c'est un très bon masque hydratant et une bonne odeur, elle adore.
Alors que pour Sarine, ce masque n'est pas terrible, difficile à démêler ses cheveux après. Donc voilà, comme quoi il correspond peut-être pas à tout type de cheveux comme indiqué sur le tube. Moi j'ai pas eu de soucis en termes de démêlant ou ce genre de choses, mais il m'a pas transcendé non plus quoi. C'est un masque qui reste très très classique. Ensuite, une eau micellaire que j'ai enfin terminée après je ne sais pas combien de temps d'utilisation reçue dans une goodie box. C'est de la marque Karma Meju et c'était l'eau micellaire donc, qui pouvait également faire office de démaquillant, de nettoyant, de tonique, d'hydratant. Donc ça pouvait être pour les yeux, pour les lèvres, pour le visage, bref c'était vraiment une eau micellaire classique quoi, qui vous nettoie le visage, qui vous démaquille, etc. Bon. Les eaux micellaires, moi, pour tout ce qui est démaquillage, c'est non, parce que je trouve que pour démaquiller avec une eau micellaire, faut quand même envoyer un petit peu, faut quand même frotter un petit peu, faut... Voilà. Je trouve vraiment pas l'idée du démaquillant dans l'eau micellaire top, parce que je trouve vraiment que c'est ultra agressif pour le visage et que c'est pas forcément adapté pour des make-up un peu travaillés ou ce genre de choses. Voilà, je trouve vraiment que c'est trop agressif. Bon. Sinon, ce tonique là, bah écoutez, pareil, c'est pas un coup de cœur, c'est pas non plus un flop. Ça reste une eau micellaire très très classique, une petite odeur assez sympa, mais rien de transcendant. Voilà, c'est vraiment une eau micellaire classique, basique. Elle agresse pas la peau, elle est très très bien. Mais je me repencherai pas sur son cas si j'ai besoin d'en acheter une. Voilà, ça reste quelque chose de vraiment très classique, très basique. Et voilà. Une petite eau micellaire, rien de... Tout ce qu'il y a de plus simple, en fait, j'ai envie de vous dire. Là, vous avez été un peu plus nombreuses à tester ce produit. Pareil, il y a du top, il y a du flop. Voilà, ça peut pas toujours convenir à tout le monde. Pour Elodinette, c'est un bof total. Pour Chiquette, c'est pareil, c'est un flop. Elle a pas aimé l'odeur et pour elle, il ne démaquille pas, il en reste toujours. Et ben voilà, c'est un petit peu ce que je disais. Les eaux micellaires, pour moi, ça ne remplacera jamais un bon démaquillant, que ce soit biphasé, en huile, en baume, ça ne remplacera jamais, jamais, jamais un bon démaquillant classique. Pour Clémageau, c'est pareil, ce produit n'a zéro intérêt. Et sinon, pour les autres, il vous a quand même plus ou moins plu. Pour Johanna and Family, j'ai beaucoup apprécié l'utiliser, elle donnait un côté frais à la peau. Et pour Away Strass, c'est un top. Voilà. Ensuite, un produit qui, je pense, vous avez été quand même nombreuses à le voir passer. C'est un produit de chez Garancia et ce sont les larmes de Phoenix. Alors, ce produit-là, moi, j'ai pas du tout été la bonne élève à l'utiliser quotidiennement, le soir après le démaquillage ou le matin ou voilà. C'est un produit qu'il faut utiliser très 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 régulièrement et ça n'a pas du tout été mon cas, ça fait des mois qu'il traîne dans ma salle de bain. Voilà, donc c'était censé renforcer les cils, les allonger, etc, etc. Bon, moi j'ai déjà de base les cils qui sont longs naturellement, donc j'ai vraiment pas vu de différence quand je l'utilisais ou le peu de fois où j'ai pensé à l'utiliser. À un moment, le produit avait quasiment plus rien dedans, j'ai laissé tomber parce que je me suis dit de toute façon ça sert à rien d'insister, j'y pense pas, donc voilà. Donc je pense que j'en ai quand même utilisé les bons trois quarts mais sur 9 mois quoi. Voilà. Mais voilà, pour moi c'est pas un produit incroyable, c'est pas un produit exceptionnel et c'est pas non plus un produit dont j'ai besoin moi personnellement en termes de... Bah de besoin au niveau de mes cils. Je vous dis, j'ai les cils qui sont déjà assez longs. Mais j'ai pas vu non plus de différence incroyable avec ce produit là quoi. Ça m'a pas allongé non plus les cils de fou. J'ai vraiment pas vu de résultat. Après j'ai vraiment pas non plus été régulière en termes d'utilisation. Voilà, franchement pas incroyable. Franchement pas incroyable et je me pencherai pas du tout sur le cas de ces produits puisque j'en ai pas l'utilité, j'en ai pas besoin. Mais si je les reçois je les utilise, hein. Bien sûr, ça me paraît logique. Mais voilà, je... C'est pas un top, c'est pas un flop, mais voilà, c'est pas un produit qui m'intéresse et sur lequel je me pencherai de nouveau si jamais je le reçois. Voilà. Alors, concernant vos avis sur ce produit, pour Sarine 1975, pas terrible, je n'ai vu aucune différence pour ma part. Voilà, un peu comme moi.
Pour Mattel BC, pas vu une grande différence, mais je continue car j'en ai reçu un deuxième chez My Little Box. Pas de chance. Après, si c'est un produit que t'aimes bien, tant mieux. Mais c'est vrai que moi, si je le reçois, je pense que je le mettrai à vendre sur Vinted. Chiquette me dit flop, le produit reste sur les cils, ça fait même une croûte de produit. Ah oui, alors là, donc non, ça faut arrêter tout de suite. Si ça marche pas vraiment, c'est que ça ne veut pas. Mais effectivement, si ça fait une croûte de produit, ça peut être vachement dangereux au niveau des yeux, c'est que t'as fait une réaction. Donc c'est pas terrible. Isa8 Mondon me dit je ne sais pas quoi en penser. Didine me dit qu'elle l'adore. Et Marine Delarche me dit j'ai eu l'impression que mes cils étaient moins tombants, mais pas forcément plus longs. Voilà. Donc effectivement, peut-être que ça avait un côté renfort, mais pas un côté allongeant au niveau des cils. Enfin, moi, j'ai pas non plus vu de différence en termes de renfort. Donc peut-être que tout simplement mes cils n'en avaient pas besoin, ce qui est tout à fait possible aussi. Mais voilà, globalement, ça n'a pas été un gros, gros, gros coup de cœur non plus pour ma part. Alors, on va passer sur le cinquième et dernier produit de cette première partie, produit terminé. Donc là, c'est un produit qu'on avait reçu dans la blissime du mois d'octobre, et je m'en souviens puisque c'était en rapport avec Octobre Rose. Donc c'était un petit masque pour les cheveux de la marque Wild Science. Ça a été un véritable flop pour ma part. Surtout en termes d'odeur. Ce produit avait une odeur. Alors, il y a quelque chose dedans qui sent terriblement fort et qui me dérange en termes d'odeur. Pourtant, je ne suis pas forcément très très compliquée. Mais là, pour le coup, il y avait vraiment quelque chose qui. Je sais pas, une odeur, c'est un peu aromatique. Ouais, c'est un peu aromatique, je sais pas, ça prenait vraiment le dessus en fait sur tout le reste du produit. Et à appliquer sous la douche, c'était mais relativement désagréable parce que forcément, avec l'humidité, avec la chaleur, l'odeur des produits s'amplifie beaucoup plus. Et là, pour le coup, j'avais vraiment l'odeur qui restait continuellement sur mes cheveux et c'était vraiment, mais alors vraiment pas agréable du tout. Après, en termes d'efficacité, pareil, j'ai pas vu d'efficacité plus que ça. Ça reste un masque très 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 classique. Mais alors pour le coup, l'odeur, ça m'a mis un stop. Et bon, vous voyez bien le produit, j'ai dû l'utiliser 4 ou 5 fois grand max. Et c'est honnêtement pas avec ça que je peux vous dire que j'ai eu des résultats de fou furieux. Hein, loin de là. C'était un masque qui était censé être fortifiant pour les cheveux. Bon. Après 5 utilisations, je peux franchement pas vous dire si effectivement c'est un produit qui en vaut le détour ou pas. En tout cas, moi, en termes d'odeur, ça m'a énormément dérangée, ça m'a vraiment posé problème. Et moi, à partir du moment, comme beaucoup de monde, hein, où l'odeur, ça passe pas, ça passe pas. C'est-à-dire que dès que l'odeur dérange, généralement, on se fait tout de suite une idée sur le produit et on rebute un petit peu à l'utiliser. Bon, là, quand j'ai vu la taille du produit, je me suis dit, allez, on y va pour un bon coup. Et une fois que c'est fait, on n'en parle plus, c'est terminé. Mais ouais, non. L'odeur vraiment m'a posé problème, l'odeur m'a dérangée et j'ai pas pu aller plus loin avec ce produit parce que vraiment c'était bof. Et en termes d'efficacité, je vous dis, j'ai rien vu de plus et j'ai rien vu de moins. Donc voilà, un peu mitigée quand même pour cette petite bête-là. Et concernant vos avis, ben, personne ne l'a testé ce produit-là. Je suis étonnée parce que c'est un produit qui était dans une blissime. Donc, bon, peut-être que vous l'avez utilisé il y a très longtemps, et je vous dis date du mois d'octobre, donc voilà. Bon, bref, en tout cas, ça y est, c'en est terminé pour cette partie 1 de mes produits terminés. N'hésitez pas à me dire si vous n'avez pas eu le temps d'aller sur Instagram pour me donner vos avis, de me donner tout ça dans les commentaires pour les produits que je vous ai présentés aujourd'hui. Et voilà, moi je vous dis dans quelques jours pour la partie 2 et moi bah, je tourne ça dans la foulée pour la partie 2 des produits terminés. Voilà, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!